Une affaire qu'on prend lié avec l'intelligence ordinaire, normalement, mais c'est que l'esprit qui explique tout ça. Alors, on fait énormément confiance avec l'esprit de Dieu pour qu'il nous ait enseigné, Seigneur, nous sommes l'instrument. Merci dans le nom de Jésus. Once nous comprenons, Seigneur, notre Dieu, c'est de la vie qui s'en fait. Pour le début de la gloire, merci dans le nom de Jésus. Amen. Alors, avant de bien vous m'éverser, laisse-moi dire une partie de la tête bien important. Alors, il y a environ 3 mois de cela, on pourrait se dire au mois d'octobre, ça. Et je fais une des affaires qui est très intéressante, c'est comment lire la Bible. Je connais au 10 jours, quand c'est du monde qui prêchait la parole de Dieu, mais qui malheureusement, même chrétien, vit même pigeon de ce week-end là. Parce qu'il, bon, on part qui jeune niveau d'éducation, mais je ne sais pas si vous connaissez que le nouveau, que l'ancien arrêté, que le nouveau commencé, et la Bible est causée que ben juif, ben païen, causée que l'église, qui peut causer qui, je ne sais pas qu'il m'en connaît, et prennent verset hors de ce contexte, explique certaines affaires, et comme ça, ça peut aller, mais tout, elle concilie les dents. Alors, nous finissons d'utiliser ça pour vous là, on va faire une histoire de vidéo. Comment lire la Bible? Vous avez bien connu comment lire la Bible, utiliser ça, et voilà pour nous Facebook, on va mettre ça, pour la nature. Et ça, nous allons utiliser comme ça qu'un jour, nous pouvons dire que systèmement, comprendre les Écritures, c'est une telle histoire. Lire la Bible, c'est une affaire, mais comprendre les Écritures, comprendre la parole, comprendre les Écritures, c'est ce qui nous pouvait dire dans le grand matin. Et je crois que la grâce de Dieu nous arrive réussir, gloire à Dieu, à comprendre ça. Luc chapitre 2 avec moi. Luc chapitre 2, le verset 46. Comprends les Écritures. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, au cause de Jésus, la disant. Gloire à Dieu, assis au milieu des docteurs, et ça bien, assis au milieu des docteurs, et moi, on fait une grosse explication de docteur, mais déjà, ça dans la tête, déjà, comme ça, quand un docteur, dans la parole, il a beaucoup d'études. Mais un garçon de 12 ans, là, et assis avec eux, écoute eux en même temps, interroge eux en même temps. Donc, il y a un gros débat entre Jésus-Christ et eux. Maintenant, les salles, pourquoi? Si on commence par là, c'est intéressant, comment dire ça, c'est simple. Première quelque chose qui vous connaît l'eau Jésus. Première quelque chose qui m'arrive l'écriture, il écrit à l'eau Jésus-Christ, apporte ce naissance qui va tout ça, c'est un quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est un quelqu'un qui connaît les Écritures. Un peu plus dans l'histoire, on lui dit, à l'eau, voilà, on dit, ça n'est pas dans la fin, il va dans l'école, il va dans la fin des Écritures, mais il connaît l'écriture. Ça, c'est une autre histoire que. Deux histoires qu'un Dieu veut découvrir, comment et pourquoi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est sa connaissance de l'écriture. C'est intéressant. Vous voyez, c'est tout ce qu'il fait à lui, il a une quête de succès, dans tout sens du terme. Hein. Vous êtes capable de mettre beaucoup de critères. Saint Félix réussit, Saint Félix. Vous êtes principalement sur la connaissance de l'écriture. À 12 ans. Vous avez 12 ans. Tout ça même. N'oubliez pas l'écriture maintenant. Ésaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut. Pas vous manquer. Right? Pas vous faire. Voilà. Vous avez ça dit. Ni l'un ni l'autre manqueront, si ça pas vous faire. Sauf quoi qu'il en ait comme ça, je vais manquer de ça, mais. Je vais manquer de rien. C'est des gens anglais qui nous disent, mais comme ça, pas pour morceler ça, mais consulter le livre de l'Éternel, personne pas pour faillir, pas pour faire, pas pour faire défaut. Quand la bouche, quand sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les ressent. Ça fait tout ça. Vous savez, ça. Depuis beaucoup de temps, 30 ans environ, parce qu'il m'a converti dans 40 et quelques mois, et dans ce qu'il appelle le ministère de la prophétie, le prophétique ministry. C'est une grâce. Même les Mauriciens, ils mènent ces belles prophètes-là. Pour dire ces belles prophètes-là, dis-moi victoire, raconte-moi victoire dans mon avis. Et après, ils nous ont dit que l'argent, 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 ils nous ont
Maintenant, tout ce qui fait une dîme réussie dans la vie, regardez ça, là, c'est quand on connaît l'Écriture. Non, qui n'a pas prophétisé du bien au toi. Qui est-il? Il reste quel pays, quand on reste quel pays, de pays. Non, moi, comment il est le bien. Et ce qui fait réussir, c'est de connaître l'Écriture. C'est de comprendre les Écritures. Vous voulez même comprendre d'ailleurs, ils vont envie de démarrer avec ça pour dire. La connaissance de l'Écriture, c'est ce qui fait réussir. Très, très important. Ésaïe 11, 9. Ésaïe 11, 9. Voilà. Il ne se fera ni tôt ni dommage sur toute ma montagne sainte, quand la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Maintenant, ce Gethsan, dans sa contexte, il fait comme ça, il fait comme contexte messianique, là nous les bons. Il y a la terre pour être remplie de la connaissance de l'Éternel. Maintenant, l'exemple, c'est bien. Comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Ça compte ce qu'il a. Il y a la terre pour remplir la connaissance de l'Éternel. Tout succès qu'ils ont envie dans la vie, les grandements dépendent aux connaissances de l'Écriture. Ouais. Je vais dire à la fois d'hier, peut-être qu'il va rétablir 10 ans, ce qu'il veut dire. Mais moi, ce qu'il veut dire. Si vous connaissez un dimoun, un 15 dernier temps, plusieurs qui l'aient dit, type qui l'aient dit, et pas dire aussi qu'il connaît plusieurs noms. Tellement facile ça. Bon. Mais moi, ça parallèle là, quelqu'un qui est. Pareil, pour moi, la mer, couvrir un guillot, quand il est venu dans la mer, là, la connaissance de Dieu pourrait pas comme ça. Donc, il y a available, on dit, la connaissance de l'Écriture. Très, très important. Ouais. Et, merci Jésus. Donc bien, aux écarts, on va vous dire, j'aime ça, par manque de connaissance, vous va périr. Marc 12, 27. Marc 12, 27. Dieu n'est pas Dieu des mots, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc il y a là, la suite. Et. Non. Elle me sert avant plutôt. Bon, ok, ça va. Peut-être que vous ne pouvez pas dans la bonne référence, écoute-moi bien maintenant. On va ce que je veux dire. Vous êtes grandement dans l'erreur parce qu'il ne parcourt ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et vous savez bien. Il n'est pas d'être dans l'erreur. Maintenant, c'est lui-même que dans l'erreur, ok, c'est lui-même qui est grandement dans l'erreur. Et Dieu lui a dit comme ça, même contexte comme ça, parce qu'il ne parcourt ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous trouvez la connaissance avec les bons outils dans le temps messianique. Est-ce que tu lis avec moi Daniel chapitre 12, verset 4. Tu suis dans le temps messianique là, verset 12, 4. Toi Daniel, tiens ce secret, ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin, c'est-à-dire à nous les temps là. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Regarde ça maintenant. Plusieurs vous lire et la connaissance augmentera. Si moi même tout ce qui me fait lire, ça présent dans un seul panier, vous allez savoir ça. Ça les temps là, on me laisse le dire. C'est les temps de la connaissance. C'est les temps qui connaissent les Écritures. Qui fait un bon Dieu de avec qui ça arrive comme ça, c'est parce qu'il nous prévoit beaucoup de bonnes choses pour nous. Et comment gagner ça de la connaissance de l'Écriture? Enfin, vous savez, très très important. Connaître la Bible, c'est une affaire. C'est une affaire. Connaître les Écritures, c'est toute une autre histoire. C'est toute une autre histoire qui vous comprend ce que la vie. Mais maintenant, regarde ça. C'est quoi connaître les Écritures? Regarde ça. Ève cite les Écritures avec le diable. Quand mon Dieu nous dit, le temps vient de donner, si mon Dieu dit ça, il dit oui, mon Dieu. Il cite les Écritures. Quelqu'un qui cite les Écritures, ça ne veut pas dire quoi. Elle va connaître. Il cite lire le diable. Adam, quand. Comment elle vient recevoir ça? C'est Adam qui passe ça à Dieu. Parce que quand Dieu te donne ce commandement, c'est que Adam qui dit là. Adam il passe cette vie. Adam qui passe ça avec lui, lui non plus va connaître les Écritures. Donc dit,
Vous avez toujours la pensée, mais le verset biblique, qui me connaissait à terre, mieux que moi, de mémoire. C'est un verset de mémoire et quel français. Extraordinaire. Mais, comme les Écritures, c'est une autre histoire. Ève cite lui, mais pas comme l'Écriture. Adam passe. Adam est précieux. Pour notre chrétien, moi, voilà. Adam est précieux. Mais il n'est pas comme l'Écriture. Mais il n'est pas comme l'Écriture. C'est une autre histoire. Vous savez? Comme les Écritures, mon frère, vos sœurs, c'est une personnalité qui vous dit ça. C'est une façon de vivre, vous dire moi. C'est lui non. C'est lui, il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas très fait. Il n'est pas connu sans rien. Il n'est pas connu sans référence exacte qui m'a dit qu'il ne va pas connu. Il faut des pictures non. Vous connaissez, c'est toute une autre histoire que vous trouvez quand vous venez avec les pictures. C'est une autre histoire. Maintenant, on regarde ça. Et nous voulons une histoire dans la vie de vos enfants. Suivez ça avec moi. Et 2 Chroniques 17, 6 et 7. 2 Chroniques 17, 6 et 7. Merci Seigneur. 2 Chroniques 17. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, de Josaphat. C'est le fils de Asa. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il changea ses chefs. Oui, ben non, avec mon nom de bizarre, je veux dire. Alors, ben Aïe, Abjas, Zacharie, Nathanil et Miché, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux Ben Lévi, voilà. Regarde ça. Mettons Josaphat prend le royaume, après ce moment, Azam, Kimbo, etc., Malan, etc. Il prend peut-être une autre direction. La vie de nous, c'est qui est extraordinaire pour Dieu. Maintenant, il met Ben Jimoun full time, regarde-moi. Il met Ben Jimoun full time, payé par l'État, pour aller prêcher l'évangile dans tout coin la rue de Juda. Qu'est-ce qu'on comprend ça, les voilà? Il comprend qui, non seulement les inconnus, mais c'est tout ce royaume qu'on comprend l'écriture. Soit là, vous savez. Il comprend qui, non seulement les inconnus, mais c'est tout ce royaume qu'on comprend ça, il investe là-dedans. Il met tout le monde full time, payé à plein temps. Voilà, explique la parole de Dieu dans tout Juda. 10-3 ans après, il prend pouvoir. Right. Pour dire maintenant que la connaissance de l'Écriture n'est pas appartenue à ça. Il y a pourtant que tout le monde connaît la parole de Dieu. Gagne une église que le pasteur connaît la parole de Dieu et que tout le monde connaît la parole de Dieu. Connaît les Écritures, hein, comprend les Écritures. C'est une église. C'est une bonne église. Inculquer la connaissance très importante. Très importante. Regarde. Merci Jésus. Laisse-nous guérir belles histoires qui arrivent chez ta femme. Merci Seigneur. Et nous continuons. Tiens, tu vois, mon mauvais fils, il n'a pas la Bible quand même. 2 Chroniques 17. Voilà. 2 Chroniques 17. Oui, voilà. Le verset 9. Oui, le verset 9, voilà. Ils enseignaient dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcouraient toutes les villes de Juda et ils enseignaient parmi le peuple. Vous avez réalisé qu'arrive le peuple. Tout le monde vit dans la connaissance des Écritures. Tout le monde. Peu importe le statut social. Mais il a sens, net. Il n'est pas une histoire qu'il y a un groupe de monde Lévi ou bien prêtre qui connaît la parole de Dieu. Ça coule ça lui voilà fait une affaire assez drôle et assez spéciale, on va pas dire, je ne sais pas. Il fait que tout le monde plus citoyen pour comprendre les Écritures, parce qu'il y a le professeur qui vient enseigner ça dans la ville. Ok? Regarde ça. Verset 10. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnent Juda, et il ne fit point la guerre à Josaphat. Donc ça, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Ben ennemi maintenant. Proverbe. L'Iran fait un gros propagande de l'arsenal de guerre. L'Iran fait un gros propagande de l'arsenal de guerre qui est là. Comme a peut-être Saddam Hussein, c'est lié à l'époque. Traîne ben sol dans la ville, qui fait ben américain, croit qu'il y a une destruction massive. Donc, je pourrais réaliser qu'ils y sont saints, la parole de Dieu, tous sous l'ennemi captif. Est-ce que vous connaissez maintenant qu'ils y connaissent la parole de Dieu, ou ben ennemi capturé, ou ben défaillance capturé, si on arrive à la connaissance des Écritures, peut-être ne pas réaliser. Nous venons pour faire « Je te chasse, I curse you ». Non. Dis ou augmente ton connaissance dans la parole de Dieu, ou bien l'ennemi se terrifie. C'est-à-dire, voilà son royaume, son règne, bien différent avec tous les autres. Avec tous les autres, hein. Avec tous les autres. Le verset 11. Regarde ça. D'accord. On peut montrer ben profit et bien laisser de la connaissance de la parole. Pour ne pas vous réaliser ça comme ça. Ça des rois-là, l'est totalement différent dans tous ben les rois. Et bien laisser qui s'arrivait. Once we are ok, ça va. On va vous voir, il y a 3 ans, il me faut mettre l'ouvrier dans la vie. Vous payez le foutage. Alors, avancez la parole. Tout le monde connaît la parole de Dieu. Quand tout le monde connaît la parole de Dieu, ben l'ennemi. Imaginez qu'il y a toute l'âme, de tout temps, Judas et Israël, enfin Israël quand même, devient tout le temps un ennemi qui n'a envie de détruire. Ça va être un ennemi captif. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, les faits pour les détruire. Mais simplement maintenant, regarde ce qui est arrivé. Les faits, voilà. Mais le Philistin, qui va un ennemi, apporte à Josaphat, mais le prison. Non, mais là, ça sonne bizarre. Ça sonne différent dans vos oreilles. Vous avez dit ça. Vous pas bizarre à ta zone. Vous pas bizarre à impressionner. Moses bizarre est dans la connaissance de l'écriture. Moses bizarre est dans la connaissance de l'écriture. Mais l'ennemi a pour présent. Hein. En l'argent, ben l'arabe a même bétail, etc. etc. Mais tout ça, les fait là. Mais non, pourquoi on est pour garder ces ça? Mais les affaires vous viennent moi. Mais non, c'est pour côté des Écritures. Moi, impressionné en Jésus-Christ, vous avez tout ce qui vous connaît avec Jésus-Christ, c'est l'école des Écritures. Il y a la vie, ça c'est une histoire. Mais connaître l'Écriture qui est intéressant. Comprendre les Écritures, c'est une histoire. Regarde ça maintenant. Merci Jésus. Et le verset suivant. 12. Josaphat s'est levé au plus haut degré de grandeur. Alors là, quand nous causons grandeur, quand nous causons titre, nous connaissons ça le petit bien intelligent. Nous connaissons les rois au père en conseil de leur sang. Mais élevé en grandeur, pourquoi vous laissez carrément ça? Et comment il fait ça? C'est si connu la parole de Dieu. Si il connaît des écritures. Et lui, il y a quelqu'un qui construit beaucoup, hein? Il bâtit en Juda, château, ville, etc., etc., etc. Vous trouvez? Merci Seigneur. Il met profit car il lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur. Le chapitre 18, le verset 1er. Merci Jésus. Josaphat eut en abondance des richesses de la gloire. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Regardez ça. Donc, nous avons beaucoup de moyens de dire, bon, voilà, comment réussir financièrement. Il te demande dans la même ticket, il te demande faire ça. Faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, Dieu a fait d'autres. Josaphat, il s'y connaît la parole de Dieu. Il s'y connaît les Écritures. Il vit l'extravis. La connaissance de. Pas pour imaginer que ça veut dire
faire tout pour qu'on les écrit. Faire tout. Et pour raconter cette histoire par rapport à Josaphat, quoi qu'il m'a dit, qui tient un petit peu plus l'instant, on doit ça. Un petit peu plus vivant, on va vous dire, il fait une bêtise. Il fait une bêtise par sentiment, parce qu'il est marié avec la famille d'Akab. Il est marié avec le roi d'Israël. Il part en guerre, il n'est pas marié. Il fait une bêtise extraordinaire. De la guerre, de la ville, qui mène la ville, qui l'appelle Ramoton Galat, c'est quoi? C'est de la ville meurtrie, qui ça. Rappelez-vous, il y avait de la ville, comme un dimoutu, il dit, oui, avec ça la ville, là, mais je ne vois pas. Et l'extradition. Ramoton Galat, c'est ça, de la ville, là. C'est-à-dire, la guerre, c'est la ville meurtrie, là. C'est une autre histoire, hein. Un jour, peut-être, vous revenez ça. Mais bien sûr, espèce de beau-frère, quoi, tellement ça a été étudié à table, puis de Jelly, là, là, dans sa maman. Galère, la guerre. Il nous la pensée de Dieu, Michel Mine, je ne pas bien ramener, mais cela arrive dans la guerre quand même. Il fait une bêtise. Maintenant, sa bêtise, tu as un coup d'amour, parce qu'il va même finir programmé, où il y a tout existe les rois. Pourquoi ça? C'est là où il y a beaucoup de choses. Il y a tout existe les rois. Et dans sa guerre-là, Akab, il fait un gros malheur. Akab, il a mis casuel. Le roi d'Israël a mis casuel. Pas comment les rois. Et il laisse ce espèce de frère-là, le roi de Judas, Josaphat, habillé royal. Piège. Si vous imaginez ça, comment ça piège à lui. La monnaie. Vous connaissez qui j'aime bien là? C'est sur connaissance dans l'écriture. Bon, j'aime bien. C'est pour dire dès la suite, 18, 19 chapitres, pour le gros chapitre. Ils sont là, indemne, vraiment de Jérusalem, indemne. Et Akabo. Maintenant, qu'est-ce que c'est même profil d'affaire? Six mois de mois, un peu de temps, un peu de motivation pour comprendre les Écritures. Vous pouvez vivre dans les temps, mais le fait que les trois versets, le temps messianique. C'est ça les temps-là que la connaissance mise à grand. Si ça n'est pas là pour le programme pour que tout le monde ait une connaissance de Dieu. Comme les fonds des mers. Grand ça. Comme les eaux couvrent les fonds des mers. Et moi, vous me redis 10 moyens comment réussir. 10 moyens comment trouver la guérison. 10 moyens comment faire ça. Et vous venez une pigeon dans la main de Satan. Non. Increase your knowledge. Augmente la connaissance dans l'Écriture. Assiser, étudier la parole de Dieu. Avec vous, étudier à fond. En 12 ans, il peut discuter au docteur de la parole. Il peut être théoseux. On a étonné à 12 ans la connaissance de l'écriture. La connaissance très, très importante. Merci Jésus. Merci Seigneur. Très, très importante. Il fait une bêtise, même son bêtise, mon Dieu, et dit alors. Bon, il travaille sur bêtise. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, on va dire. Si vous pensez à rester, vous faites dire dans Matthieu, dans le cas, Matthieu, vous pouvez voir. Il dit comme ça, vous êtes grandement dans l'erreur, parce que je n'ai pas connu ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. De grandement dans l'erreur. Parce que ce n'est pas connu les Écritures, ni la puissance de Dieu. Regarde ça. Et rien, c'est quoi? Et rien, c'est quoi? Un lieutenant qui a sa peau. Il faut que l'on rentre dans le lieutenant. Il faut que l'on rentre pas en bourse. T'as aucun mot dans la vie? Mais vous avez rien. Dès qu'il a été commis, il faut finir dans une erreur. Un lieutenant qui a sa peau, il faut rentrer, il faut rentrer dans la bourse. Il doit être grandement dans les rires. Il va être dans les rires. À ce moment-là, il va aller être pour. Par manque de connaissance. Ben, Timoun, des vies, ben, croyant, malheureusement, il est dans mes chaînes, que la connaissance vient de manquer. Il va vivre dans les rires. Vivre dans les rires, ça fait grave, ça. Et il va être grandement dans les rires. Maintenant. La connaissance existe, tu es où dans les rires? Un qui a son sommet, moi, vous me recevez, casse-vous les rires.
parce que il a quatre apôtres dans le bureau de Rondon Bourse. Rondon, au moins, c'est quatre apôtres. Hein. Et là, on prend dans le bureau. Tu vois? Et rien, quand on corrige un peu de ce irréel, il est censé. Au sens de boxe, moi, à la conclusion, suis-moi là, Nicodème. C'était un docteur, etc., etc., de l'humanité. Mais il existe une connexion de Christ le Messie. Les casse-barres avec ce groupe, secrètement, il y a besoin de Jésus-Christ. Tu verras, quand la connaissance est faite, la connaissance fait où sautit dans les réels. Donc, il y a une affaire peut-être de Zoom ou de caméra, tout ça. Il n'a plus les réels. Il n'a plus les réels. Pourquoi enfant de Dieu, il piétine la même erreur? Mais vive la vie de l'erreur. Vive la vie de l'erreur. Qui vous fait soit de millionnaire et où elle mange dans l'eau aussi. Elle marie erreur, ça. Elle extra erreur. Vous voyez que nous disons, vous êtes millionnaire. Pourquoi vous avez mangé l'eau aussi? C'est un peu ça cliché là qu'ils ont dit dans le ciel chrétien. Beaucoup plus comme la erreur. Belle erreur. Comment ça erreur là? D'où vient l'erreur? Tu n'as pas connu ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Que tu insistes à connaissance. Tu insistes à connaissance des Écritures, tu n'as pas connu l'erreur. Merci Jésus. Regarde ça. Quand Jésus dit dans la ville, ceux qui connaissent la guérison avec lui, le guérit. Ceux qui ne connaissent pas la guérison, qui le fait, n'est-ce pas là? Pourtant, le grand médecin est là. Le grand médecin. Celui qui est capable de solutionner tout problème. Il rentre dans le piscine, il guérit celle du mondial. Puis les jeunes là qui disent madame imbécile, ça. Il s'est bien madame imbécile. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui est libre. Master, boss, whatever, aide-moi ici. Que les gens qui sont là, ils sont bien là. Je pense. Vous voyez? C'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. Pour bien faire moi. Efforce-toi pour connaître. Faire des efforts pour connaître. Tu peux avoir la vie au pire, celui-là. Ça m'a même bypass-toi, ça m'a même méprise-toi, ça m'a même fait ça. Non, on va bien le voir. Toi, cherche les écritures. C'est ce que Josaphat, il trouvait. Et je trouvais qu'il, le règne de Josaphat, donc il m'a pas fait mon plan, hein. Il m'a pas fait le roi de la voix. Mais c'est qu'impressionnement, c'est une connaissance. Pourtant, il prend un royaume, il évite ça. Ben, ministre, nous fait le travail. Nous mettons un ministère enseigne la parole. Enseigne tout du monde. À Dakaro, à Porto. Mais tu connais. Moi, je mets du monde à la connaissance de Dieu. Voyons-la pour différent. Mais tu connais. Oui. Merci, Dieu. Dites comme par exemple, le temps. Quand Nathanaël vient pour ça, est-ce qu'il pouvait de Nazareth qui sont les deux mots? Vous avez la fin de Nazareth qui a fait près de 150 habitants. Et. Et dans Nathanaël, qui de sa ville, là lui-même, il fait ça. Et le Nazareth, il se demande de poser le Messie. Il n'a pas connu qui la Bible comme ça, Jésus envoyé le Nazareth. Hein? Qui tu peux empêcher de faire sa bêtise hein? Qui tu peux empêcher de dire à André ou quoi qu'il pose, une belle fille comme ça avec lui? Qui tu peux empêcher qu'il y ait une phrase aussi idiot et imbécile? C'est la connaissance. Si tu connais qui Jésus s'appelle le Nazareth. Si tu si tu connais. Ben, il va connaître. Il dit, il y a le Nazareth qui sort de bon. Ah, celui lui, il vient des mois. Ouais. Pourtant, vous savez, il y a des affaires qui, malheureusement, m'ont envie, tout nous appuyer là, dans où nous dit, c'est acquérir la connaissance. Il n'y a pas un problème pour connaître la parole de Dieu. Il n'y a pas un problème pour bien lire. Et là, le plus grand professeur appelle le Saint-Esprit pour enseigner la parole de Dieu. Zou ou arrive connaît la parole de Dieu, il connaît, la connaît, connaît. Hein. C'est qui il a par quoi il connaît. Hein. Ah, vous voyez, c'est ça. Et c'est un peu. Et là, le seul verset biblique. Et le seul verset biblique. Hein. Ils ont dit, mais le seul verset biblique. Pour voir les web milliers là. Lire le seul verset comme ça. Et c'est qui? Et vous connaissez pas plus. L'histoire qui. Adam passa une grande. Non, mais tu vas dire. Un grand mythe alors. La moitié des mondes, il précise là, elle insiste plus souvent. La moitié des mondes, il me précise. Oui, présence. Pourquoi 40 du coup? Pour la moitié des mondes, il me précise. Il précise. Pas connu.
Moi, quelqu'un qui prêchait, pas prêcheur. C'est une connaissance contre Dieu. Moi, si j'aurais toi, tu as culté moi la connaissance, vous me souvent les dossiers. Vous me souvent les dossiers. Vous soif la connaissance. Et la connaissance, c'est comme un profit à l'ennemi qui a péché. Sans pas dire quelque chose. Pourquoi vous je te chasse? Je te chasse. Out. Non. Si tu connais une propos de la parole de Dieu, tu vas revenir. Tu vas rétablir la vie. La connaissance. Très, très bien. Très, très bien. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Vous connaissez la femme samaritaine? C'est un bizarre enfant. C'est un bizarre enfant. Pas même un juif complet. Quoi qu'il y ait un juif. Tu connais le Messie. Tu connais le Messie. Tu connais le puits de Jacob. Il y a une connaissance. Il y a une connaissance. Et tu as besoin du Messie. Tu conversations engagées. Son petit. Tu appelles les messieurs au commencement, etc. Juif, pardon. Si au moment il découvrait, c'est le Messie. Si au moment il découvrait, c'est le Messie. Faire, c'est la connaissance. La connaissance. Ouais, très très important. Très très important. Merci Jésus. Vous connaissez l'écriture. Vous voyez mon cas, c'est ça, c'est que je peux bien aller maintenant là. On va me donner une séquence. Pour vous dire, Lina, pour vous laisser le Saint-Esprit mettre ça dans pour la hauteur dans haut. Là, elle m'a poussé mettre dans haut. Boum, boum, là. Le Saint-Esprit, ça me boum, là, dans haut. Le diable vient de Jésus-Christ pour proposer cette affaire. Il y a Lina, it's written, il écrit. On est bon, comment ça fait? Non, il écrit! Non, il écrit! Mais il y a un certain point, c'est boum! Il est capturé. Juste, il y a une idée, il écrit! It's written, il écrit! Il écrit! C'est un petit gros de tour qui est capable de venir, ça, c'est la parole. C'est un petit gros de tour. Il écrit! Il écrit ça. Pourquoi ça? Merci Dieu. À partir de comme ça, à partir de Dieu, frère. L'Éternel parle de la parole, elle dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise pour avant. Bonne vie. Afin qu'on la lise pour avant. Bonne. Écrire la prophétie, grave-le, afin qu'on la lise. Et puis, ça va me signer de dire. Il dit, write it in big block letters, so that it can be read on the run. Écrire-le gros lettres, afin qu'on la lise couramment. Écrire-le gros lettres, afin qu'il m'aime. Vous voyez, il a beaucoup parlé, pour pas qu'elle ait envie. Vous pouvez conduire. Vous avez envie, on va creuser. Mais vous pouvez voir, c'est ici. Mais il vient de donner l'impression extraordinaire en relief, c'est ça? Et qu'il y a une façon qui me met à galoper. Même il est galopé. Il est capable de dire ça. Maintenant, c'est pas dire moi qui savent pas l'éclair ça là. Moi qui vois l'éclair ça là. Vous pouvez prendre une tablette pour l'éclair ça qu'elle plus. Qui est vraiment réparé la bonne pour ça? Pas l'éclair ça comme ça. Il écrit les big letters, gros lettres, afin qu'elle joue une calière à un glancement, à un regard, on the run, calière on the run. Maintenant, beaucoup ça. Nous avons donné ça à la Joconde. La Joconde, et une envie de Mona Lisa, ben tiré par ce père italien, une fusion de ça, c'est toujours un peu là. Le 26. Ouais. Léonard le 26, voilà, Léonard le 26. Là, dans ça, 19e siècle là. Maintenant, il m'a envie qu'on the mind of Léonard de Vinci. Je deviens un collège et spécialiste. Étudier Mona Lisa. Vous connaissez qui est Mona Lisa? Apparemment, c'était sous maîtrise. Ce qu'il a découvert. Apparemment, les enseignes, pas de même. Cela va découvert. J'ai envie qu'on the mind. J'ai envie qu'on the mind of Léonard de Vinci. Right? Nous ne sommes pas d'histoire. Get the mind de Dieu.
écrit un livre roulé, afin qu'un démon on the run n'est capable d'y aller. Qui m'a dit pas vous faire là? Et tout démon pense à protéger le sang. Et tout démon capable d'y aller. Par un lit, qui parle ici, non, on a dit ici, qui m'a écrit. Maintenant, the mind of Dieu, comment il comprend? Tout démon est un inconnu. Connais-vous vivre d'un rêve de la connaissance? Possible, il n'y a pas gagné ça. Elle misère. Vous êtes en mécanique. La connaissance a fait les relevés. Il crée très important. La connaissance. Et quand il dit, il souhaite, il est pris à ça. Comment on dit sa puissance, ça dégage là. Comment on dit sa puissance, ça dégage là. Vous mettez ça, ça tient dans la cause, ça tape, pao, ça l'attend, ça fait son. Comme ça le Christ, ça vous dit, il écrit, il souhaite l'écriture, il écrit ça. Et le diable n'est rien. Donc, si vous ne pouvez pas le verser avec lui, non, on ne peut pas le dire, si vous le verser avec lui. Vous avez dit, c'est ce vous connaissez quoi? Vous connaissez. Et quand tu connais, vous connaissez, mais moi, la faute, tu vas vous. Pour faire aussi la connaissance de notre bien-être. Très important. Maintenant, mon vie de jour, ça se trouve dans le ministère, get the mind de Dieu. Écris-le de la peau, écris-le de la table, écris-le de front. C'est pas esthétique ça au moins, c'est un gros bois, le front. Un gros bois, c'est un lacère à ça. C'est pas esthétique ça. Et bien là, tu penses à ça. Maintenant, comme. C'est un micro-nous, c'est un bois, là. Je n'ai ça. Ah mon Dieu, je n'ai ça. Mais what was the mind of God? Quelle est la pensée de Dieu? Il crée la table, le domicile, il crée partout, Un peu qu'il y a des enfants, des gens qui viennent. Mais c'est quoi ça? Ce qui me dit, là, c'est quoi ça? La scripture, la parole. De ça que les enfants, de ça que les enfants. Dis soit qu'il y a la connaissance. Dis soit qu'il y a la connaissance des écritures. Ou bien dis-moi. Je vous apprends pour moi, c'est une règle différente. Quoi qu'il m'a tiré une jolie règle. Quoi qu'il m'a tiré une jolie quand même. Merci Seigneur. Pour montrer l'homme, c'est l'homme. Mais il m'a dit rentrer les mains. Tout le monde a fait de la parole. Merci Jésus. Pourquoi ça? Quand Dieu dit ainsi en est-il de ma parole, il n'est pas retourné à moi sans effet. Sans avoir accompli comme un dessin, on voit ça. La parole est faite pour écouter bien Dieu. Maintenant, comment vous êtes capable de prendre une novice qui ne connaît pas la parole et réaliser bien Dieu? Si il ne connaît pas la parole. La parole est faite pour écouter bien Dieu. Il sait, viens, connaître la parole pour écouter bien Dieu avec la parole appropriée. Quand au passé, vous pouvez qu'ils ont mind la pensée de Dieu si vous connaissez la connaissance. Vous êtes dans la connaissance. Comment vous écoutez bien Dieu si vous connaissez la connaissance? Merci Jésus. Dans la vie de Jésus, il parle un rassemblement des cibles de l'esprit. Un rassemblement des écritures. Merci Jésus. Plus grave, le Seigneur est beaucoup plus grand. Malade de Jean-Baptiste, qui est Jésus? Raconte-nous qui est Jésus. De nos prophètes, de nos messies. Qui est Jésus? Sauf réponse, ce qui. Il dit à moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, c'est l'écriture. Comment est-ce qu'on s'est dit ça? Moi, quand on dit ça, on va arrêter de vous faire pause. Je suis l'écriture. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à plein de le sang. C'est le côté de Isaïe. On ne peut pas dire ce qu'ils ont baptisé au diable. On appelle l'écriture. Vous dites, c'est quoi l'écriture, frère? Conseil, vous pouvez l'amener à le faire. Pourquoi qu'elle emmène la Bible dans ma Zip Silent? Vous emmenez Santa Gordy là-bas? Pourquoi qu'elle emmène la Bible? Amenez la Bible. Elle fait l'église. Au Congo, l'Arabie Saoudite, beaucoup plus en cours. Il est un cancer parti du monde. So, what is the scripture? C'est quoi l'écriture? C'est quoi ça?
Nous sommes aussi être debout entièrement pour apprendre les Écritures, pour comprendre les Écritures. Jean-Baptiste, j'aimerais m'appeler l'Écriture. Très, très important. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Vous voyez, un petit garçon quelque part. Zodi, un tel fait cette comparaison, il y a comme ça, c'est à l'estrade, là, là. Il y a une stage où il y a un altar. Il y a un côté. Un stage où il y a une performance, qui performe, un stage. Pas comme le là. Ou bien il y a un altar, il y a le télé. Zodi, pour penser l'église, donc comme vous l'avez dit, vous avez l'église worldwide, hein, worldwide. Selon un perfume. Mais l'acteur, mais qui perfume cette affaire d'évangile. Non. L'église, c'est une place, c'est un lequel, ça. C'est un lequel. Merci, Jésus. Il n'y a pas une stage, il y a un altar qu'on le dit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et la deuxième catégorie du monde, ma performance, comme on le dit, Seigneur, vous faites un miracle contre nous, vous s'en mêlez, vous ne pouvez pas faire ça, c'est l'heure, là. C'est un petit peu de nous. C'est un peu de ça. C'est ma performance. Mais il est bizarre, Tous ces temps, je vous dis ça, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton père. Lui est maintenant avec moi, Jérémie 31, 34. Jérémie 31, 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère, quand, en disant connaissez les ténèbres, quand tous le connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit les ténèbres, quand je pardonnerai leurs iniquités et je me souviendrai plus de leurs péchés. Et donc, vous lire ça, de trouver, ils ont encore mécanique ça, c'est que l'intention, bon, c'est que tout le monde connaît. Jean 6, 45, avec moi, frère. Merci, Jésus. Jean 6, 45. Et il est écrit dans, dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. De tout lui-même, enseigner de Dieu. Maintenant, moi, on tient dans God's side, dans bord de Dieu, dans côté de Dieu, l'envie de tout le monde. L'envie de tout le monde est dans la connaissance. L'envie de tout le monde est dans la connaissance. Mais au cas de cette affaire, on dit, c'est qui? La connaissance de la parole. Il la connaît. Il a été cité, mais pas connu. Il a été prêché, mais pas connu. Avec cette porte de communication, il n'est pas connu, il connaît la parole. Vous voyez? Il y a pourtant le mot de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'il regarde la prière lui-même. Il fait une monologue la prière. Il y a un dialogue. La prière, c'est un monologue, vous voyez, vous posez. Voilà. Non, la prière, c'est un dialogue. Quand vous posez, mon Dieu vous répond. Mais comment vous posez pour répondre? Pas pour l'écriture. Mon Dieu, c'est l'écriture pour lui. Quand vous faites un dialogue avec Dieu, il vous pose à vous pas l'écriture. Et si vous ne pas l'écriture, qu'est-ce que vous posez? Qui fait maintenant, regarde ça, qui fait maintenant, il est dangereux qui. Si vous ne connaissez les Écritures, vous pouvez prier. Bon, les temps qui vont venir pour reconnu, ça concerne les reconnus. Suis-moi bien, moi, bien. Vous pouvez prier. Dieu vous a reconnu. Il vous reconnu par l'Écriture. Vous faites bien ça, vous faites bien pour l'Écriture. Mais moi, c'est bien que Satan aussi prêt pour reconnu. Les îles prêt pour reconnu. Hein? Maintenant. Laissez-moi dire, un petit affaire est arrivé, un petit incident qui m'a dit, ok. Un petit affaire met un post sur le Facebook. Un post sur le Facebook. Il mettait, adore-moi et me donne-toi tout. Adore-moi et me donne-toi tout. En bas, ça corrige du monde, il dit Amen.
Et maintenant, le scroll, vous mettez quand vous êtes amen. Et d'abord, tout ça, vous étonné. À deux moments, vous êtes. Et là, ça qui tient, il me ça pour ça. Il mettait une phrase en bas. C'est pas Johnny là, c'est le diable. Oui, il a raison. C'est pas Johnny là. Il trouve dans la Bible. Dans la Bible, il y a sa parole de Dieu. Tout écriture est inspirée de Dieu. Dans la Bible, il y a sa parole de Dieu. Vous avez trié votre nom quand vous avez écrit sur le diable. À deux mois, vous avez tâché. Elle a crié Amen. Crié Amen. Mais c'est une tête qui ne veut pas connaître la parole. Comment vous avez ça, vous avez dit? Je suis là. Tu vois? Et là, ça qui est mis pour ça, lui-même réécrit le diable. It's not the word of God. C'est le word du diable, ça. Et le moment, ça va nous mettre à maintenant. Il faut le figuer, il là. Le miroir, le miroir, là. Tu vois? C'est le danger du brouillard. Moi, c'est ce que le diable déguise en ange de lumière, vous savez. Le diable déguise en ange de lumière. Vous pouvez tenir le diable déguise en ange de lumière. Le diable déguise en ange de lumière. Trop vous. Ou dans moi, il fait resserrer si vous ne parlez de la parole, un problème. Ou il y a un ennemi qui vous déguise à tout moment en ange de lumière. Oui, très important, merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, on voit ça, vous trouvez le titre, ce qui arrive. Et le ciel dans la parole de Dieu qui m'a dit, vous payez, on ne peut pas comprendre ça. Je prends un seul verset pour une doctrine. Un seul verset pour une doctrine. Mais moi, maintenant, dans l'endroit, moi, si vous avez sa connaissance, ça vous dit non, danger. Oh, danger, on regarde ça. Le diable qui a été fils, il écrit ça. Et il connaît la parole. Hein. Ou imagine Satan cite la parole. Ou imagine Lucifer qui cite la parole de Dieu. Il écrit ça. Le diable dit, il aussi écrit ça. Vous connaissez vous dire. Il aussi écrit ça. Un verset m'a fait une doctrine. Il m'a la scène, ça. Elle la scène, c'est pas un maillot. Qu'on a milliers, soixantaine de milliers. Milliers veulent faire la scène. C'est Christ sans lui dire. Sa verge là, il aussi crée ça là. Il aussi crée. Si vous pouvez quelqu'un qui comprend, vous le louez l'épée à double tranchant. Vous le louez l'épée à double tranchant là où vous l'avez là. T'as l'air beaucoup en plus. T'as l'air beaucoup en plus. Parce que par contre, vous voyez, vous voyez l'épée, moi. Vous voyez manier l'épée. Vous le louez l'épée à double tranchant. Que tu l'aies côté Wilkinson. Ah, vas-y, ça. Les personnes écoutent là, hein? Wilkinson, là, vous pouvez pas dire ça. Au de nous, ça, il y en a certes longueur qu'elle avance. Moi, t'as mis un temps. Il y aura pour quand le son vous ouvre. La parole de Dieu, elle décrit la vie ensemble. Sous pas qu'on m'a dit, par Osila. Osila, vous n'avez pas le monde. Vous voyez? L'intelligence pour m'a mis ça, il ou tu vois la parole de Dieu, moi t'avais. Non. Merci Jésus. Il est écrit. Mais il est aussi écrit. Un verset pas qu'à faire une doctrine. Une déclaration pas qu'à faire une doctrine. Livré, pas capable. Il est aussi écrit. Très important, merci Seigneur. Merci Jésus. Mais c'est un skill. Peut-être nous avons même souffert. Il ne faut pas travailler dans le sentier. Dans le sentier, qui travaille. Et première année ou année, deuxième année ou année, trentième année ou année, même. Et cinquantième année ou année, ou regretter ou encore année, même. Mais il y a un problème là. Non, il y a un problème, non. Quand l'église, salamina, ou année, l'année prochaine, tu es style pasteur, pasteur qui dit non. Non, vous voulez tout le monde se vouloir. Vous voulez croire sur sa femme. Vous voulez faire croire sur sa femme. Tout le monde est dans la connaissance. Tout le monde bien que le service à l'épée à nous transformer. Très important. Vous voulez vous faire une vérité. La parole de Dieu. Il fait des travails, il y a quelques mots qui poussent du monde. La parole de Dieu, il fait des travails, il y a quelques mots qui poussent du monde. La
par le lien certainement du cousin, mais tous les ouïes de cette affaire. Elle t'a allé, vous s'est allé. Et un peu la matinée, elle ne peut pas aller. Elle est nous rester. Une seule parole qu'il nous dit, il fait tout le monde casse-picard aller, il fait pour être bien tout le monde rester. La parole de Dieu dit, pousse le et il a tiré le monde. En même temps. Mais ça arrive, il dit, pousse le monde. Il était que l'envie est bien dans les. Tu vas aller pas, il y a des gens. Que dans les paroles de la fille des mecs. Moi, je vous respecte. Vos femmes aussi, quand il s'agit, il est écrit. C'est l'écriture. Vous direz, on a fait la parole. Merci, Jésus. Comme c'est ça, finalement, de mémoire, on va aller. Voilà. Pourquoi plus grande institution par exemple le monde au lycée UN, façon je dis, plus grande institution de haute autorité, c'est UN. On sera beaucoup d'enfants d'ailleurs qui dans UN, un statut fait rapport, un païen, un russe. Vous voulez qu'il crée en bas, les aïeux. Tout ça comme vous êtes intelligent, c'est un signe, de dire les Aïdeux verset 4. Les Aïdeux verset 4, frère. Les Aïdeux verset 4. Faites tout UN comme ça. Voilà. Et donc, ça me donne non, mais deuxième mot, c'est là. De leur grève, ils fauront les oyaux. Et de leur lance qui sert. Une nation ne tira plus l'épée contre l'autre. Et on n'apprendra plus la guerre. Si ça se tape, il arrive à la rame. Et il trouve la couille du UN. Non, mais tu sais, même tout le monde dans le monde, le temps, pas pour aucun Dieu le Gandhi, Dieu de Confucius, quoi. Hein? On trouve la scripture. On trouve jamais la scripture. Et moi, quand on trouve ça, on dit waouh, Seigneur. Enfin, vous savez, on donne beaucoup valeur à la parole de Dieu. On donne beaucoup valeur à la parole de Dieu. Beaucoup de tout profit qu'il y a, si vous arrivez, vous comprendre, vous lire, vous étudier, vous comprendre. Faire ses faux pour comprendre la parole. Faire ses faux pour étudier la parole. Il est très, 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 très important. Vous avez dit ça, frère, il est très, très important. Merci, Jésus. Elle a un effet extraordinaire. Elle a un effet extraordinaire dans les Écritures. Si les Écritures étaient vraiment en lui-même, c'est moi, on est quelque chose de très très grand, ça. Vous reconnaissez quelques affaires qui m'ont dit, alors, hier, à 12 ans, j'ai réfléchi à ne pas se mettre de pied dans la connaissance de la parole. Un de Dieu, pourquoi pour moi, ça ne m'a pas. Josaphat prend trop, dit un homme. Fais tout le monde. Je l'ai amouré à ce cadre, ou à quel point, fais tout le monde dans la vie. Beaucoup m'inversent pour obéir. Vous pouvez y appeler un temps professeur pour avoir l'enseignement. Et ça, royaume-là, voilà qui fait ça. Extraordinaire. Ben, l'ennemi tremblait. Ton ennemi va parler. Félix à Dieu. En plus, parmi la guerre en lui, Félix à Dieu. Félix à Dieu. C'est où est la guerre et la connaissance. Mais quittez quand il y a quelque chose arrive dans la vie. Ou arrête si vous ça, c'est. Ou arrête si tout cas qui est vieux. C'est où est la connaissance et la parole. Ce qui nous comprend, ça va être sûr. Mais Dieu vous comprend. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, qui au règne de Josaphat, de cette église, Seigneur Dieu, qui nous arrive, Seigneur notre Dieu, fait qui s'active dans cette église, et d'une grande connaissance de la parole, Seigneur. Père, louez-toi dans le nom de Jésus. On comprend qu'il y a un ennemi, justement, Seigneur notre Dieu, de tout capter les ouvriers, fait nous la guerre, Seigneur, vu la connaissance de la parole. Nous pouvons, Seigneur notre Dieu, à l'aise financièrement, jusqu'à dans la connaissance de la parole, Seigneur. Personne ne louer toi. Nous vivons dans le temps, ce qu'il appelle le temps messianique. Et de dire, Seigneur, qui la connaissance, c'est pour Magdélo qui couvert les fonds de mer. C'est tellement grand, ça, Seigneur. Père, qui s'active dans la connaissance de la parole, Seigneur. Inculquez-nous la parole, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Seigneur.
Mais ça, qu'elle parmi nous, Seigneur, justement, ben, étudiant de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Et nous capables de mettre des mots pour dire, it's written, il écrit. Et là, Seigneur, c'est justement, Seigneur, nous mettons l'empreinte, nous mettons l'autorité. Non, il écrit. On va l'écouter de la parole, Seigneur, c'est pour citer. On va l'écouter de la parole, c'est pour prêcher, Seigneur. On va l'écouter de la parole dans la vie, Seigneur, notre Dieu. Bon, Seigneur, notre Dieu, comme beaucoup, j'ai un petit monde, il connaît beaucoup de la parole. Seigneur mon Dieu, mon Dieu et toi, Seigneur. Il paraît comment, Seigneur, tout le monde qui est étonné. Quand je me rencontre, j'ai pris dans le temple, il y en a 12 ans. Je t'ai étonné de sous connaissance, Seigneur. Père Saint, mon Dieu et toi. Dans cette église de bénédiction, mon Seigneur, dans la foule connaissance de ta parole, Seigneur. Dans la crainte de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Et c'est ta parole qui nous forme, Seigneur. Comme tu le capable arrive à une zone, lui dire, Seigneur, comme Jean-Baptiste, je suis la parole. Ouais, c'est moi le Messie, c'est moi. Je suis la parole, Seigneur. C'est un chapitre bien grandiose, Seigneur. Mais il est possible, Seigneur. Il est possible, Seigneur. Il a dit, écrit de telle façon que tu es coureur à ta parole. L'héritage du monde est rapidement capable d'arriver à la connaissance. Seigneur, vous êtes tenu en toute façon de faire, Seigneur, notre Dieu. Et ta parole est éternelle, Seigneur. Merci ce matin, Seigneur. On a totale confiance, Seigneur, notre Dieu. Qui justement, Seigneur, notre Dieu, merci. Vous pouvez culter de paroles, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes des corps, nous reparlons à cette scène, merci, Seigneur. Merci, Jésus.